arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus petit pote, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation deck. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Car beaucoup de personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc vraiment abonnez-vous et lâchez le petit pouce bleu qu'on oublie très souvent. Un petit like, commentaire pour m'encourager ou pour ce que vous voulez voir dans une prochaine vidéo. Et puis c'est parti, on va se tester ce petit deck Minor Cycle avec un miroir, évidemment le miroir qui est vraiment super fort. Je pense essayer de faire une nouvelle série, dites-moi si ça vous plaît, où je tente plein de decks avec le miroir, ou une condition avec miroir, ou une grosse carte, genre une carte, un truc comme ça. Dites-moi si vous voulez que je le fasse. Et puis on fait ça, donc on va tester ça en super défi. Et puis c'est parti, on va essayer de reprendre les vidéos assez activement, parce qu'en ce moment, je vous avoue que les vidéos, il n'y en a pas souvent, mais bon. Au moins quand il y a plus de plaisir, pour voir le seul bon côté. Ok, bon là j'ai deux tensions, donc évidemment la voleuse va dash. Ok, on va commencer par un petit mineur ici, je pense. En découverte. Hop, ok, mais un Eoïs, ça va mettre un petit poison sur ça. On va bûcher et mettre le squelette. Hop, les squelettes, on va mettre la Tesla juste derrière. Voilà, nickel, pour tuer tout ça. J'ai un petit peu attendu en placement, mais rien de trop dramatique. Est-ce que je dois rajouter? J'ai pas rajouté parce que sinon le problème c'est que si il met une voleuse, c'est chiant. Donc là je répare le collier au cas où il en met une parce que le temps que le collier arrive. Voilà. Ok, archer fond 9, on va partir en mineur. Il sait pas encore qu'on a un miroir. Bon, c'est un peu average spam, du coup il a pas de tornade, du coup ça me va. Écoutez, je pense qu'on va mettre le collier là, on va mettre les 8 ici. Peut-être essayer de mettre une petite pression quand même, ça pourrait être pas mal. Donné qu'on a pas beaucoup. Quand on a mineur sécurité qu'on doit gratter, on va mettre une petite pression avec les 8. Ok, ce qu'on va faire, c'est que là on va juste bûche. Hop. Là, on a les squelettes tranquillement. Voilà, parfait. La bonne défense de ma part. Normalement, on prend pas de coups. Parfait. On peut mettre un petit mineur ici. Ok, mais son PK, très bien. On va les mettre. Je pense qu'ici, on va les jouer peut-être avec la double Tesla. Ou peut-être pas encore sortir au miroir. Je sais pas trop. On va voir comment fonctionne ce qu'il met. J'ai l'oubli, j'ai le colis, j'ai la bûche. On va attendre. Sinon je pense juste mettre un colis ici, voilà nickel, le bon colis ici, et faire son taf, deuxième colis ici, très mauvais colis de ma part, hein, puisque là en plus l'archer va carrément toucher, et là c'est la Hassan Alex, on va mettre un petit mineur def, hop, on va laisser l'archer gratter, c'est pas grave, attention quand même à se pas trop gratter, ok on va pouvoir commencer à s'installer un petit peu, hop, petite Tesla ici, tranquillement. Je pense qu'on va s'installer avec deux Tesla. On va être sûr de la défense et ensuite on va pouvoir commencer à pêcher avec les doubles. Ok, on peut commencer avec ça. Hop, petit squelette ici en plus. Ok, parfait. Là ça me bien. On peut commencer à mettre un petit mineur en pression. Peut-être un électro sorcier ici pour aller tuer cet archer magique. La petite bûche pour aller détruire l'électro sorcier. Parfait. Là on est bien. On va mettre juste un petit un colis ici tranquillement. Avec une Tesla, et j'ai raté ma Tesla, et là, c'est la S. Ok. Electro sorcier qui va faire son taf. On va aller remettre un mineur. Ok, parfait. Le mineur qui est bien timé. Ici, je pense qu'on va aller jouer avec la double bûche. Ok, bien joué de sa part. On met la Tesla plutôt haute, pour que la voleuse dash, mais tard. Ok, parfait. Enfin, bien que les squelettes, plus le colis. Aïe, 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 c'est bon. Et mettre la bûche ici. Ok, la bûche un peu panique, j'avoue. Ok, c'est la reste là. On va commencer à gratter poison, j'ai pas trop le choix. Hop. Là, on va mettre ça comme ça. On met le colis ici qui va faire son taf. Je pense qu'on va les jouer sur double colis. Hein. Écoutez, je vous propose ça moi. Je pense que ça peut être la meilleure option. Double colis qui est vraiment le shit. On va aller mettre un mineur ici. Avec un poison. Ah nickel, faut être trop sorcier, ça c'est parfait. Et ça c'est qui va clamser. Parfait, bon. Ok, ça c'est chiant. On va mettre une petite bûche.
Puis avec tout ça, ça peut prendre deux coups, parce que si on prend un coup, c'est dramatique. On aura les squelettes, hein. Ok, on va mettre le colis alors. On va aller vite recycler. On va mettre un double mineur. Là, on va commencer double mineur, les gars. Ok, on va aller mettre un poison en plus. Là, on va essayer de cycler rapidement, puisque sinon, c'est la merde. Ok, parfait, la bonne bûche de ma part. On peut aller mettre un mineur, puis un autre mineur. Ok, on peut aller mettre un poison, une bûche, et on va aller prendre cette win. Ok, à la fin, les gars, je vous le dis, le deck est très très puissant x3, puisqu'on peut très vite cycler. Ok, parfait. Allez, on passe à une deuxième game. Vous voyez que le deck est quand même très très polyvalent et très très fort. Hein. Un petit peu la galère à jouer, mais Ok, on met le colis ici. Le colis qui est perfect timing. Pixel près. On va aller agresser avec un petit mineur squelette ici. Bon, il joue le deck d'Azaf. Hein. Donc, c'est quoi le deck d'Azaf? C'est le deck foreuse. Ok, bah je pense qu'on va partir sur une... Ah, ça c'est chiant. Ok, alors attendez un petit... Ah, écoutez, on va faire... Je vous propose ça. Moi, je vous propose ça parce que j'ai pas d'autre chose à vous proposer, donc... En vrai, je pense que ça reste la meilleure défense que je viens de faire. Le plus opti. Ok, mais un mauvais esprit. Et une caisse trop loin. Ok, bon, là, on va devoir jouer. En vrai, le problème, c'est que j'ai pas de Dark Prince. Mais je pouvais pas non plus ne pas mettre de... Ah, peut-être... Peut-être enlever Louise, enlever Louise, mettre un Dark Prince ou une Valkyrie, et enlever les squelettes et mettre des chauves-souris, je sais pas. Ok, on va mettre un mineur. Mettre un poison avec pour son arme squelette. Ok, parfait. Maintenant, il va falloir trouver une solution pour défendre. On va partir sur un double colis, écoutez. Hein. Sinon j'ai pas trop le choix pour défendre là. Écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est que comme il pense que je... Enfin, je sais qu'il y a besoin de sketch, je vais prendre un shot bûche, faire comme ça. Ok, il joue bien. Ok, je me suis mis dans la sauce là avec le prochain bûche qui était vraiment pas nécessaire pour le coup. Ouais, voilà, exactement pour ça. C'est parce que là j'ai plus trop d'élixir, j'étais obligé de défendre cette arme de squelette. Ou bon, après il a un peu con, il met la foreuse dans... Il met pas du tout la force d'un électro-sorcier. On va aller mettre le colis ici, sinon on va prendre beaucoup trop cher. Et on va devoir assumer le coup de Valkyrie. Les squelettes ici. Ok, parfait. Des mauvais squelettes de ma part. On va commencer le double mineur, les gars. On va mettre le poison en plus. Voilà, nickel. On doutait qu'il allait mettre son armée squelette. Ici on a la Tesla les gars pour aller sniper ses sapeurs. Et là vous voyez qu'on a rattrapé avec un double mineur poison, on a rattrapé tout notre retard. Ok, ça c'est bien joué de sa part évidemment. Attends, j'avais pas 43 choix. Ok, là c'est la Hesse. Je pense que je vais pas défendre du tout sur ma squelette. Je vais essayer de me focus sur la défense. Ouais, j'ai fait de la merde, j'ai défendu sur ma squelette, my bad. J'ai mal joué. Hop, bon, quand on va aller prendre une tour pour l'honneur. Mais compliqué. Ok, bon, c'est pas grave. Une petite défaite, rien de dramatique, les gars. On va aller se rattraper. Je vais faire que 3 games aujourd'hui. Comme ça, les decks 3, je pense que je vais faire que 3 decks, 3 games, parce que sinon c'est un tilt, et comme ce soir, je compte essayer de rush le top 1000 monde, les gars. Je vais essayer de pas me cramer, et je vais essayer de jouer peu, c'est pour ça que je fais que 3 games, et pas 5. Ok, bon, très mauvais mineur de ma part, je sais pas pourquoi j'en ai mineur à la main qui met des électrocuteurs. Bah écoutez, je pense qu'on va aller poison, voilà, bon c'est le cimetière. Bon, cimetière, les gars, on est Gucci, avec un double poison. Non ? Ok. Je pensais qu'il allait envoyer sans cimetière. Bon bah ok, pourquoi pas. Hein. Est-ce que j'aurais du double bûche ? Ah, mitigé hein. Je sais pas. Ok, c'est la version gel les gars. Avec le PGR c'est la version gel. J'attends maintenant. Normalement c'est cette case. Ah ouais.
Je me disais la même chose. Parfait. Très bonne défense de ma part, là. C'est bien réagi. Bon, ok, c'est du MK cimetière, alors poison, avec la cage goblin normalement. Ah non, il a Thompson, mais wesh. Il a fait un remix, le frérot, là. Ouais, je sais pas ce que c'est, en fait. Hein. C'est du cimetière, c'est sûr, mais... Ah, peut-être du GR. Non. Je vois pas du GR là-dedans. Pour moi, c'est cimetière. Ah, attends, c'est peut-être du GR, en fait. Hein. Ah, j'ai le doute. Ouais, là, frérot, tu casses les couilles, là. Je suis obligé de coller sur ça. Ouais, je pense que je vais partir avec une Tesla ici. Dès que je suis à 10. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va partir avec une petite Tesla ici, là. Ok, maintenant, pour les squelettes, maintenant. Ok, on va les bûches tout ça. Hop, dans le plus grand des calmes. On va mettre un poison. Pour l'instant, on gratte que ça. Hein. On va voir qu'on fasse gaffe au moment de la défense. Ok, là, on a le colis. Là, il peut pas cimetière, ça sert strictement à rien, en tout cas, si on s'écarte pas. Ouais. Début de savoir ce qu'il va se faire. Ok, une foule. Bon, c'est sûrement du GR, alors. On va mettre un poison. Ok, ça va être le moment d'envoyer le double mineur. Ok, elle prend pas de coups, ça c'est bien. On va poison. On va poison bûche même, hein, je pense. Les gars, je pense que comme il a un chasseur, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des mineurs à mettre des doubles poisons, je pense. Bon, là, maintenant, il y a MK à défendre, mais dans l'idée, c'est ça, je pense. Je me vois bien faire ça, là, pour le reste de la game. C'est la RS, là. Hein. Là, les gars, c'est la giga débandade. Oh, le colis qui vient tout clean, par contre, ça, c'est magnifique. On va mettre une bûche. Hop. Oh, la défense, les gars, que je viens de vous chier, là, elle est incroyable. On va mettre le mineur là, on va mettre le poison en plus. Ok, parfait. Je pense qu'on va faire, c'est que je vais vite cycler, et je vais tenter, parce que là, je pense que j'ai pas réussi à assumer une deuxième défense. Donc, on va très vite recycler. Mon colis qui va faire son taf. C'est bizarre qu'il ait pas une condition, genre. Let's go. Pas facile, hein. Pas facile tous les jours, les gars. Pas facile tous les jours, hein. Bon, vous voyez que on a quand même bien galéré, hein. Même si le mec était... Je pense que honnêtement, il n'y avait aucun des mecs qui était fou. Attends, mais il avait un cimetière, non? Il y avait une carte là-dedans, là. Pourquoi il y a un MK normalement, c'est un GR? C'est pour ça que je me disais bien que c'était du cimetière au début avec les électrocuteurs et le pêcheur, mais quand il est sur chasseur, je pensais que c'était un GR, mais il est MK du coup. Même lui, il était nul à chier. Hein. Ouais, bon, ils étaient un peu tous éclatés au sous-sol. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. C'était Brekou. Ciao, ciao!